Sa vie a pris un tournant terrible, le 26 juin 2023. Jalil Lesper a perdu son père, Jean Lesper, qui est mort à l'âge de 81 ans. Il n'a pas encore souhaité prendre la parole à ce sujet, pour l'heure, ni sur les réseaux sociaux, ni ailleurs. La douleur est trop forte, sans doute, pour Jalil Lesper qui vient de perdre son papa. La France apprenait la mort de Jean Lesper dans une courte nécrologie parue dans les colonnes du journal Le Monde, expliquant que les membres de sa famille avaient la douleur de faire part du décès de Jean Lesper, survenu le 26 juin 2023, à Boulogne-Billancourt. Aucun détail n'a été divulgué à propos de cette disparition. Les proches de Jean Lesper font toutefois appel aux dons, dans la nécrologie du Monde, en faveur de la Fondation Rothschild et de son combat contre la sarcoïdose, ou maladie de Benyebouk-Schoeman, une maladie qui se caractérise par des amas pathologiques de cellules inflammatoires dans les organes, le plus souvent les poumons. Les obsèques du comédien, décédé à l'âge de 81 ans, sont organisées ce mardi 4 juillet 2023. Une famille de comédiens née à Rangny-sous-Bois en 1942, Jean Lesper avait suivi une double formation théâtrale, au Conservatoire d'Alger puis au célèbre cours Florent de Paris. Marié à l'avocate Farida Azi, il avait eu deux enfants, deux fils qui ont suivi ses traces, Jalil en 1976 et Yanis en 1989. Il avait d'ailleurs lancé, à sa manière, son aîné au cinéma puisqu'il avait passé, avec lui, le casting du court-métrage « Jeux de plage » de Laurent Cantet, en 1995. Jouant le père et le fils, ils avaient su convaincre le réalisateur plus que de raison. Jalil Lesper a tourné, à nouveau, pour le cinéaste en 1999, obtenant le premier rôle de ressources humaines. Présent sur grand écran, Jean Lesper a aussi joué dans de nombreuses pièces de théâtre, bien souvent contemporaines. Il avait régalé le public, une toute dernière fois, durant l'année 2021 dans le monologue La chute d'Albert Camus. Toutes nos condoléances à Jalil Lesper, soutenu par sa compagne Laetitia Hallyday, ainsi qu'à ses proches, qui pleurent aujourd'hui l'homme comme l'artiste.